Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous voyez, j'ai très très froid. Il y a un temps de neige. On est le 6 décembre et depuis hier il neige. J'espère que ça va tenir. Ici ça ne tient pas trop à part sur les toits et les voitures. Voilà. Et j'ai très très froid. Je suis gelée. Du coup j'ai mis mon plaid doudou là pour être au chaud. Voilà, pour vous ouvrir la case 6 des calendriers de l'Avent que vous voyez juste là. Je les ai mis là aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le calendrier des bouboons. Voilà, avec tout qui se casse, toujours la pipe. La case 6, elle est juste là, mais elle souffre comment? Là. On va commencer à attaquer le petit renne. Et elle est grande en plus. C'est une grande case. Voilà, vous voyez, tous les bonbons sont là. Du coup, je ne sais pas ce qui était dedans. C'était pas ça, ça va à côté, je crois. Je l'ai chopé. J'ai refouté un peu partout. Voilà, je vais mettre là. Du coup, c'était un beau bonbon en collier. Bracelet, collier, je sais pas. Qu'on croque là, pour ceux qui connaissent. Voilà pour le premier ouverture. Après on va s'ouvrir le premier Pokémon. La case 6, elle est juste ici. Je sais pas c'est qui. Je vois du bleu. C'est Walmer ça je crois. J'ai en train de péter tous les calendriers. Walmer je pense. Je sais pas. Boop. Il veut pas vous. Je peux pas vous montrer. Il reste pas dans mes mains. Allez, montre-toi. Voici et le voilà. Je sais pas du tout. Pour moi, c'est bien une Walmer, mais comme les couleurs et ils sont pas très au top top. Voilà. Du coup, on va continuer avec le deuxième. Qui est la case juste ici. Je regarde juste. Voilà. Parce que hop, ouais. Voilà. Oh, c'est. Oh, allez. Je sais bien que c'est. Ça commence. Sablero. Je crois que c'est ça. Sablero. La couleur est un peu plus ressemblant, mais il est un peu plus orange que jaune. Mais c'est quand même un peu mieux quand même. Après, on va se faire. Oups. Notre petit Jack, voilà, on aime bien notre petit Jack quand même. Hop, du coup la case 6 c'est la dernière de la rangée et demain on commencera la nouvelle rangée. Du coup voilà, hop, je chope le petit sachet, je referme ça, je mets là, on a, il est là. Ça a l'air d'être un personnage, je vais le voir ici parce qu'il a l'air tout facile. Du coup, on a. Oh, oui, mais je le voulais absolument, c'est Boogie Boogie. Il est trop beau. Il est trop bien fait. Lui, je suis amoureuse de lui. Voilà. Pour le moment, c'est celui que je préfère. Après, on va se faire Harry Potter. J'aime bien le garder, mais lui aussi c'est le dernier de la rangée. Hop, on prend le petit sachet. Hop, je le dépose. J'ai mon nez qui me chatouille. Voilà, du coup, je sais pas c'est qui, je vois rien, je sens des pieds qui ne vont pas sortir. Des pieds, c'est qui? Oh, c'est madame. Oh, je sais plus, c'est la dame. Oh, je sais plus son nom. Oh, c'est bien, on l'avait pas celle-là. Je sais même pas si elle existe en pop. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh. Moi, les noms, c'est deux. Si vous le savez, mettez en commentaire. Ça me. M'aidera comme ça. Mais elle est trop bien en fait. J'aime bien ses lunettes. Regardez ses lunettes. Il y a du plastique dessus. Voilà. Et puis elle a une plume en main. Je sais pas si vous allez voir, elle a la plume en main. Trop bien fait. Bon, j'aime encore que
boogie boogie pour le moment. Allez, on va se faire le plus beau quand même, le Mickey. Du coup, c'est la même. Et on va ouvrir la case à pour Mickey. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Il y a le sachet de Boost qui passait. Hop, on va le mettre là. Il a l'air gros. C'est un gros plastique. Si on peut avoir. Je sais pas, mais. Oh, mais qu'il est beau! C'est. Oh! J'ai son nom au bout de la langue. Mais il est trop beau! Les lampes, le sucre d'or. Il est. Snoop, non. Oh! Oh, c'est comment encore? Oh, je sais plus son nom, ça m'a remis. Je l'ai au bout de la langue, mais il ne sort pas. Il est trop beau! Oh oui, j'hésite maintenant entre celui-là et celui-là. J'hésite entre les deux. Oh, ils sont trop beaux. Je sais pas, là, j'ai une hésitation. Et pour le dernier calendrier de l'Avent, un des plus beaux, la case 6, elle est juste ici. Elle est petite. C'est une petite case. Regardez, elle s'ouvre. Hop. On va te mettre là. De toute façon, je ne regarde pas. Parce que là, vous avez les écritures. Je sais pas c'est quoi. Yves Rocher, une étiquette. On va ouvrir. Avec. C'est joli quand même. Arrive. Oh, c'est un rouge à lèvres. Il fait fort clair chez vous. Il est foncé pourtant. Je vais essayer sur le dos, ma main. Je sais pas si vous allez vraiment bien y voir. Voilà. Mais ça, pour Noël, pour les fêtes, c'est le top. Oui, et il est marqué quoi? Une formule végétale. Vegan à l'huile de camélia pour les lèvres en couleur. Voilà, si vous voulez, je vous montre. Ouais, j'aime beaucoup ces packaging, ils sont trop beaux. Voilà, mais la couleur elle est vraiment belle. J'aime bien. On mettra ça pour voir si ça c'est une. Parce que là, ça a pas l'air de partir. J'espère que ça partira pas trop. Voilà. On va le remettre quand même. Hop. Oh, il est trop beau ce calendrier. Voilà pour tout ça. Nos Pokémon et nos petits petits préférés quand même. Pas faire comme hier. Le faire tomber dans le cacao. Voilà pour les petites figurines qu'on a eues au top. Le petit rouge à lèvres. Le petit bonbon et les deux petits Pokémon. Voilà. J'espère que cette ouverture de calendrier de l'Avent vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, de faire plein de petits commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager avec tout le monde. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent numéro 7. Ça diminue, hein, ça diminue. Allez, on se retrouve demain.